Les acides gras à longue chaîne N-3 ont deux sources. Une source endogène, la synthèse peut se faire à partir d'un précurseur qu'on appelle l'acide alpha-linolénique, qui est d'origine végétale, et l'action successive de désaturase et d'élongase va conduire aux deux chefs de file des longues chaînes N-3 que sont l'EPA, le 25N-3, et le DHA, le 26N-3. À côté de cela, il y a des sources exogènes, d'abord et avant tout les poissons gras, mais aussi d'autres sources qui peuvent être des huiles de poisson, qui peuvent être des formes pharmaceutiques et qui peuvent être aussi les microalgues. Au cours de ces récentes années, une accumulation de données conduit à conclure que ces acides gras ont une capacité de prévenir et ou d'améliorer la situation de patients présentant une résistance à l'insuline. Nous avions montré chez des volontaires sains qu'une dose d'1,8 g d'EPA et DHA augmentait la sensibilité à l'insuline. Les données des méta-analyses récentes portant chez des patientes avec un syndrome des ovaires polykystiques, avec un diabète gestationnel, une stéatopathie métabolique, le syndrome métabolique, l'obésité chez l'enfant, ces méta-analyses sont positives et permettent de conclure que l'EPA et le DHA améliorent l'insulinorésistance dans ces situations particulières. Pour ce qui concerne le diabète de type 2, les résultats sont un peu plus contrastés. Beaucoup de méta-analyses sont négatives, mais les deux plus récentes, et notamment la plus récente de 2021, qui est beaucoup plus homogène et qui regroupe beaucoup plus d'études, montrent une diminution de l'insulinorésistance aussi chez les patients avec un diabète de type 2. Alors ces données aujourd'hui acquises permettent de proposer un certain nombre de conclusions, qui est qu'il est probablement utile chez des patients avec insulinorésistance d'apporter une dose d'à peu près 600 mg par jour, c'est-à-dire 100 mg par jour de plus que les recommandations nationales d'EPA plus DHA qui sont de 500 mg. Pour le diabète de type 2, on est plutôt autour de 1 g à 2 g. Ces doses-là peuvent être atteintes avec 2 à 3 fois par semaine de consommation de poissons gras ou par une association de poissons gras avec des aliments enrichis en EPA, DHA et ou avec un précurseur, le 18-3N-3, même si la conversion est faible. Chez les gens qui n'aiment pas le poisson, qui ont des alimentations particulières ou qui ont une allergie à la protéine de poisson, on peut proposer des huiles de poisson, mais elles ont un coût et elles ne sont pas remboursées dans cette indication-là. Donc en conclusion, aujourd'hui, suffisamment d'éléments, mais ces acides gras oméga-3 bénéficient le mieux aux patients s'ils sont associés à une alimentation de type méditerranéenne, le fameux régime crétois, associé à une activité physique régulière et probablement si on les démarre le plus tôt possible au cours de la vie et tout au long de la vie, en particulier chez les gens qui sont prédisposés.